Yo, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, reçois pour le favor. Aujourd'hui on va faire le beat de Hiro Motema. Donc je vais te montrer comment tu peux faire la guitare, comment tu peux faire les snares, guitare basse et tout. Ok, donc nous voici dans le logiciel FL Studio. Comme tu le constates, tout d'abord le BPM il est à 127. Ils n'ont pas cru en moi. Ok, donc tout d'abord j'écoute des tifs. Et il y a un instrument qui est comme un lead ou un pad, on va dire. Donc on va d'abord jouer cet instrument là. Ok, voici les dispositions des notes. Voilà, en fait, c'est un instrument pris dans Purity. Voilà, Detune 16, tu vois. J'ai pris cet instrument-ci. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu t'envoies dans le mixeur. Tu mets un paramétrique. Et voici ce qui se passe sur le paramétrique, en fait. Voilà, donc tu vois que sur le paramétrique, tu coupes les zones de fréquence aiguë, tu coupes aussi les zones de fréquence basse pour pouvoir avoir cette sonorité-là. Donc du coup, c'est tout ce que tu as à faire dessus. Et maintenant, j'ai jumelé ça avec un autre instrument. Voilà, c'est une basse en fait. Une basse toujours prise dans Purity. Voilà, tu prends cette basse et ensuite, tu disposes les notes de façon similaire. Voilà. Voilà, tu vois. Voilà, donc quand tu mets les deux instruments ensemble, tu obtiens ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un semblant de hi-hat là. Donc des hi-hat, pratiquement tout le monde peut faire ça, c'est juste des petits battements. Ah, donc maintenant après avoir mis des hi-hat, va falloir que tu mettes en place des snares. Voici les snares en fait. Tu vois, tout simplement. Tu vois, c'est facile. Et maintenant, il y a quoi d'autre? Tu vas mettre une guitare comme ceci. Voilà, donc de quelle guitare s'agit-il? C'est une guitare que j'ai pris dans Simple Things. Tu vois, tu cliques dessus. Une guitare que j'utilise tout le temps qui s'appelle Swelly Guitar. Donc tu prends cette guitare là et maintenant tu la déposes comme ça. Maintenant, comme tu peux le constater, il y a des configurations que tu dois à tout prix mettre dans la guitare sur le mixeur. Il te faut couper à tout prix les basses aiguës pour que la guitare ne puisse pas piquer à l'oreille, tu vois. Pour que ta guitare soit assez fluide et qu'à l'écoute, tout le monde puisse entendre de quoi il s'agit, quoi. En plus de ça, sur la guitare, j'ai ajouté une reverb. Voilà, delay bank. Et de 3, tu mets une reverb comme ceci. Voilà. Donc assez facilement. Il va te falloir mettre la batterie avec un kick là. Donc tu mets le kick, tu remets le snare. Maintenant, je vais ajouter des petites batteries, tu vois. Ok, on va
Voilà, et ensuite, après avoir ajouté des batteries, tu ajoutes des trucs comme des métros de tabla. Voilà, après avoir mis des métros de tabla, j'ai mis un bongo, donc un truc qui est comme un tam-tam en fait. Voilà, donc tu vois assez facilement, maintenant tu vas mettre des tam-tams. Tu vois, donc des trucs comme ça. Ok, voilà, donc maintenant il y a une basse que tu dois ajouter pour pouvoir faire avec des petites variations de guitare basse, quoi. Donc c'est des trucs comme ça. Donc c'est une guitare basse prise dans le Nexus. Voilà. Il s'agit de cette guitare basse-ci. Sub bass. Voilà. Slide bass. Tu vois. Ok. Donc du coup, tu la déposes là. Donc maintenant on va mettre une guitare qui va maintenant jouer la mélodie du son quoi. Voilà, donc c'est la même guitare du Simple Things qu'il a joué. Tu prends la même guitare et puis tu disposes les notes comme je t'ai montré. Pour déposer les mêmes instruments de tout à l'heure sur cette nouvelle guitare. Voilà, maintenant tu veux ajouter ta corde de mélodie pour pouvoir enlever la répétition dans la sonorité, quoi. Tu vois? Voilà, tu vois? Ok. Donc si on arrive à la fin de la vidéo, si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, partage au maximum, abonne-toi à la chaîne, toutes les différentes personnes qui viennent me découvrir, j'offre dans la description une série de vidéos de formation qui vont t'apprendre à pouvoir faire des instruments comme ça, 100% gratuit. Clique tout simplement dans le lien dans la description pour avoir les différentes vidéos. Si ce, ciao. Moi je rêve d'une vie de famille, tu ne rêves